Bonjour à tous les petits loups, et on se retrouve pour une deuxième vidéo sur cette démo FIFA 16 sur PS4. Parce que oui, j'ai migré. J'ai migré, t'es là un oiseau migrateur, un oiseau qui ne gratte que d'un côté. Sur cette nouvelle console. Cette console qui est nouvelle pour moi, du moins. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce fut draft. Donc, vous connaissez déjà sûrement, parce que vous avez déjà sûrement dû en entendre parler, c'est la grosse nouveauté de ce FIFA Ultimate Team sur ce nouvel opus, hein, le FIFA 16 qui sortira, je vous répète, le 24 pour les abonnés, enfin ceux qui le prennent sous le PSN, et le 26 il me semble, pour ceux qui vont aller chercher en magasin. Donc le FUT Draft c'est quoi? Donc c'est, si je dis pas de bêtises, sur FIFA Ultimate Team vous paierez une certaine somme, je crois que c'est 15 000 ou 25 000 crédits pour pouvoir participer à un tournoi dans lequel vous aurez des joueurs que vous allez tirer au sort, où vous choisirez d'abord votre capitaine, comme c'est écrit là, donc créer une équipe et désigner le titulaire pour chaque poste, de chaque poste parmi un choix de 5 joueurs. Donc créer votre meilleure équipe et défier votre adversaire sous le terrain. Dans la démo apparemment on a quand même des joueurs pas trop dégueulasses à chaque fois. Alors là du coup ça m'arrange pas parce que les dispositifs sont absolument dégueulasses. On va partir sur un 4-3-3, ça sera... Voilà. Donc 4-3-3 et ensuite c'est parti, on commence à choper nos premiers joueurs. Donc oh là c'est déjà pas mal dès le début. Bah, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser, hein. On va prendre Ronaldo directement. Ah oui, je sais pas si c'est dans la démo, ça sera pareil aussi dans le FIFA 16. Bon, on a quand même des joueurs assez pas mal. Voilà. Donc là, il nous réexplique le principe de la chimie. Bon, on le connaît, hein, on est plus, on est rodé. Alors là, par contre, là, ça va envoyer du bois parce que si on, oh là. J'aurais bien pu. Allez, est-ce que je prends Zlatan pour rendre un petit top? Allez, oui. Parce que voilà, je suis supporter marseillais et je vais rendre un petit hommage voilà aux supporters parisiens avec ce Zlatan Ibrahimovic. Qu'est-ce qu'on a sur le côté droit? Bah de toute façon, hein, voilà, donc Lucas. Petite alchimie qui se crée entre Lucas et Zlatan. Milieu de terrain par contre c'est pas chanchon la galipette. De toute façon on verra bien. Parce qu'il y a encore les remplaçants, donc on peut choper des trucs un peu mieux dans les remplaçants. Pour l'instant, c'est pas, ça casse pas des briques, hein. Ça casse pas des briquettes. Thiago Alcantara, voilà, c'est ça qu'on veut. 84 quand même. Dis donc, pas mal du tout. Je vais y arriver. Non, mais je veux pas échanger de joueur. Non, je veux pas non plus quitter. Voilà, merci bien. Oh, 85 à là-bas. Oh, les sales. Oh, il va déchirer à là-bas. Il va être monstrueux. Il va être monstrueux total. En défense centrale, bah, oh putain, Benatia, oh là là, c'est bon ça, je récupère mes joueurs. C'est bon ça. Émeric Laporte, c'est un français, hein, voilà, French Touch. Défenseur droit, Aurier, hein, début de saison énorme, on va prendre Aurier. Et en gardien, qu'est-ce qu'on a de beau pour l'instant? Trapp qui a fait un excellent match. Avec deux buts encaissés contre Bordeaux, ouais, magnifique. Du coup, je ne le prendrai pas juste pour ça, parce qu'il m'a énormément déçu. Handanovic, hein, en hommage à Masseria. Alors, sur le remplaçant. Le dilemme, Steve ou Manuel Neuer. Bon, écoutez, on va pas faire la fine bouche, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? Jallet, Arbeloa, Marquinhos. Marquinhos qui est pas mal, j'aime bien Marquinhos. Il aura peut-être sa chance à la place d'Emeric Laporte. Nkoulou, compagnie. Si, à compagnie, par contre, la Marquinhos, désolé. C'est la roue tourne. Oh, Matuidi, 84. Ça, par contre, c'est dégueulasse. C'est de la merde. Aubameyang qui va être dégueulasse aussi. Il va courir trop vite. Ramos. Oh, putain, c'est bon ça. Là c'est pas chouchou encore, on prend Ramos. Ouais, faut arrêter de nous filer de la merde. Non mais là vraiment faut arrêter, hein, vraiment messieurs dames. Markovic. Oh lolo, ouais. On a que de la merde. Prendre Shakiri parce que c'est un ancien du Bayern. Pas terrible quand même, hein. Biabiani, alors lui il va galoper aussi, mais bon, ça sert à rien de toute façon. Là ça va pas jouer des masses.
Et Danilo, tu as un Danilo. Oh, je mettrais bien Danilo quand même. Parce que vraiment, ce joueur-là m'a l'air assez intéressant à voir. Alors, Matuidi, où est-ce que je peux le foutre? Il serait très bien, là. Voilà, il serait très bien. Tac. Oh, on va niquer un peu l'alchimie, mais bon. On va essayer de faire jouer nos gros joueurs. Et c'est parti. On peut choisir l'entraîneur. Why not? Alan Pardew, tiens, l'entraîneur de Crystal Palace. Pourquoi pas? Allez, bim. Résumé de ma draft. Donc voilà, donc le petit résumé de nos meilleurs joueurs. Donc voilà, Ronaldo. Petit joueur qui perce pas mal. Hein. Thiago Alcantara, arrivé du Barça il y a un an ou deux, en provenance du Bayern de Munich. Et qui va prendre cette année la place un petit peu de Bastian Schweinsteiger, qui est parti rejoindre Manchester United. Yeah. Avec Anthony Martial, qui a d'ailleurs mis son premier but. Un but en riesque. Et Manuel Neuer, hein, l'indéboulonnable Manuel Neuer. Au poste de gardien de but, ça m'a l'air pas trop mal. On va accéder directement au match. J'aurais préféré avoir un milieu de terrain un peu plus costaud. J'aurais préféré, parce que là, c'est pas excessivement bandant. Hop. Jeu dans le placement pour la configuration. Hein, configuration temporaire. Bim, c'est parti. Et on va jouer contre, je sais pas qui, contre... Il y a des belles équipes là-dedans. Le Borussia, tiens, le Borussia qui fait un bon début de saison, qui est loin d'être dégueulasse. Par contre, ils ont des maillots, ouais, bon, c'est pas grave. Donc au niveau des gestions d'équipe, hein, on retrouve je dis pas de bêtises, ça reste assez proche, hein, même si là, on a quelques petits trucs où on peut leur donner des instructions individuelles pour chaque joueur. Bon, on va laisser par défaut, on va pas trifouiller tout de suite. Et donc voilà, donc on peut, donc le style par défaut. Voilà, on laisse comme ça. Vraiment un match avec des gros joueurs que vous connaissez tous. Ronaldo, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Alors, j'ai commencé à progresser un petit peu. Hein. Je m'y fais petit à petit. Bon, là c'est plus facile avec Ronaldo, c'est sûr. Hein. Je vous cache pas que c'est plus facile avec Ronaldo qu'avec un joueur de crasse. Là ça vise un peu tout seul, j'ai même l'impression, là c'est absolument dégueulasse. Oh là bah tiens, hop, j'ai rien dit, hop, raté, c'est parti, draft FC contre le Borussia Dortmund, hein, draft FC. C'est nous, c'est le Bayern de Munich. Et Zlatan, Lucas et Ronaldo, il y a moyen de faire quelque chose de pas trop dégueulasse. They were. It was a disappointing final campaign for him, but what they've always done is bring local voilà. Talent through the ranks into the first team. Hop, c'est parti. Continue that, whoever's manager. Thiago, Zlatan. The home team lineup. Cristiano Ronaldo plays with Lucas on the flanks. Il l'a vu direct. Ibrahimovic is the lone striker today. This is the Borussia Dortmund lineup. Oh, mais direct! Direct! C'est qui? C'est Chris. C'est qui ça? C'est qui? C'est Sahin? Oh là, dès le début du jeu, l'ouverture, le centre. Ah, on n'a pas le temps d'enfiler les perles. Nuri Sahin, c'est bien lui. Le Turc, le Tunisien. Tunisien-Turc. Oh putain, la loose. Je ne connais plus mes drapeaux. Bref, Sahin, le joueur du Borussia Dortmund. Pas dégueulasse non plus. 1-0, enfin, je vous l'ai dit, hein, j'ai progressé un petit peu, je me suis entraîné parce que franchement, ce premier match avec les filles là, était assez catastrophique au niveau du contenu. J'ai fait en sorte quand même de vous proposer un truc un peu moins dégueulasse. Et il y a déjà un blessé, Hoffman de tes morts, je veux en finir Joe. Les connaisseurs, la boîte à Lopez. Ils sifflent leur jeu quand même vachement tard, je trouve, bon, du coup c'est un peu plus réaliste. La compagnie est devenue tout clair, c'est bizarre. Lucas. Shahid. Hop. Oh, ça frappe, on peut voir un petit peu les alias. C'est un grand changement pour moi aussi, mais c'était déjà plus ou moins présent sur PS4, FIFA 15. Les envolées des gardiens et les gestes qui sont un peu plus spectaculaires. Allez, premier poteau à l'ancienne.
C'est la merde. C'est de la merde. Blaise Matuidi. Zlatan. Ouah, le gardien par contre là-dessus il est pas. Il nous fait une trappe hein. Frappe un petit peu écrasé. Oh Zlatan, vas-y. Oh là 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 là. D'où il met un coup du sombrero, il est fou lui. Oh, ça passe pas, ça passe pas, je voulais un petit coup franc avec Ronaldo, du coup ça peut être sympa. J'ai pas encore eu de coup franc je crois en plus sur cette non. Faut pas que je m'en souvienne. Attention Aubameyang. Voilà, on le gêne bien et on relance pour qui? Cristiano Ronaldo. Oh le contrôle. Oh, j'ai encore un peu de mal à faire mes dribbles. Ouais, j'ai vraiment encore du mal. Enfin, les dribbles se font pas aussi, aussi rapidement, on va dire, que sur le 15 et du moins sur PS3. J'ai l'impression que c'est un peu plus lent entre le temps où on fait la commande et vraiment. Enfin, du coup, c'est un peu plus réaliste, hein, je vous cache pas. Ça évite de faire des dribbles vraiment à la volée de manière totalement dégueulasse. Oh, le coup d'épaule sur Obam. Oh non, monsieur l'arbitre! Allez. J'ai! Oula, j'ai pas du tout. Gorgée de café toujours, hein. ça restera. Accro au café le gamin. Et Danilo, essayer de construire un truc un peu propre. Alors Zlatan, un peu lent dans les dribbles. C'est pas son domaine de prédilection. Attention, bien Manuel. Oula, par contre là non, ça c'est de la merde. Mais je recommence toujours avec ces relances de merde. Hein. Ça va pas changé. Défensivement. Oh là là, ça pousse. Je galère là. J'ai un petit coup de moins bien. Je me suis emballé sous le premier but, je pense. Bien joué. Zlatan Ibrahimovic. Matuidi. Une deux. Oh bâtard, il est bienvenu. Oh penalty. Oh penalty. Et j'annonce la première panique. Et le carton rouge. Oh là là, le coup de tonnerre. Coup de tonnerre à la 33ème minute. Hein. Mathieu Bell, celui qui a crucifié la France à la Coupe du Monde. Avec cette tête hein, au duel contre Varane. Rappelez-vous, souvenez-vous. Ah là là, des. Horrible. Oh là 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 là, la déception sur le joueur. Oh, il est pas content du tout. Allez, la panenka avec Zlatan. Si je rate ma première panenka, ça va être une horreur. Putain. Pourquoi? C'est dingue, c'est incroyable de rater autant de panenka. Voilà, foot, j'ai frappé pour les stats. Oh, cette panenka, je suis déçu. Bon là avec un défenseur en moins ça devrait quand même être un petit peu plus festival du but. Surtout que là ils ont quand même perdu Mathieu Mels. Bon c'est pas quand même quoi, c'est pas anodin. Lucas. Oh dommage. Well, he has cleared the danger. Attention, alors lui il est rapide. Galope à mort, 95 de vitesse quand même, c'est assez énorme. C'est un des joueurs les plus rapides, il me semble. Oui, d'ailleurs, c'est avec Walcott, c'est qui a 96. Je crois, il me semble que c'est parti des joueurs de cette année qui seront les plus rapides. Oh là là, oui, Zlatan, il l'a vu. Oh, la frappe de merde. Dommage. Putain, les frappes sont beaucoup plus. Ouais. Alors, pour le coup, maintenant, je comprends mieux cette histoire de frappe précise. Du moins, les frappes sont super réaliste, on sent vraiment la surface du pied utilisée lors de chaque frappe.
Après, est-ce qu'on peut vraiment choisir la surface du puits qu'on utilise? Ça va peut-être se décider au fil du truc, peut-être par rapport au moment où vraiment où on déclenche la frappe. Ouf. Ouh là là là, ça c'était beau, ça dommage. Ah, ils sont pas entendus. Ah, ils sont pas entendus. Il y a eu le zig et pas le zag. Et mi-temps 1-0, hein, on voit quand même, je suis un peu plus à l'aise. Même si c'est pas encore ça quoi. Mais bon, au moins voilà, on peut regarder. Ah putain, par contre j'ai pas la possession. Ça c'est une grande nouveauté quand même sur FIFA 16. Pour l'instant je n'arrive pas à avoir vraiment le ballon. Bon, après je me projette beaucoup vers l'avant, je veux marquer les buts. C'est la première salve de match. C'est un peu normal au début je pense de vouloir mettre que des buts comme moi, comme un gogol. Oh, le petit pont. Oh, Ronaldo, la frappe de merde. Ah, j'aurais dû l'enrouler, j'ai voulu faire une grosse frappe à la Ronaldo. Un caviar encore distillé par Blaise Matuidi. Oh, sombrero raté, oh dommage. The player that we're featuring here has done well. He's certainly been an influence on this first half. Well, he played really well, didn't he? And he got himself a goal. Ouais, ça galope. Bien. Allez, Ronaldo. Allez. Et vas-y, gamin, tout seul. Par contre, là, ça accélère pas. Hein. Oh la vache, putain. Allez, à cause de Ronaldo, le paraît lente, mais en fait non, il galope. C'est juste que je pense que l'impression de vitesse est un peu moindre sur PS4 ou du moins sur FIFA 16. Et du coup, ça donne un petit peu des sensations de lenteur qui ne le sont absolument pas, puisque ben, un petit peu enrhumé les défenseurs. Oh là là, ça frappe. Oh la boulette. Pff, j'avais encore mis à côté quoi. Bon, c'est Ronaldo en plus. Et comment je peux rater autant de frappes avec Ronaldo? C'est pas possible. Ils me l'ont nerf ou quoi? Non, c'est nul ça. On va faire des petits changements. Voir un petit peu justement les animations sur les changements. Bon bah c'est Ronaldo quand même, faut pas être foufou. Allez, on va faire entrer Marquinhos à la place de Benatia, tiens voilà. On a pas grand chose à se foutre sous la dent, n'empêche. Allez, on va foutre Aubame sur le côté. Et Strootman à la place de Sain. Strootman que j'aime bien, joueur assez polyvalent. Très bon milieu, le Belge. Well, the game can be influenced so often by substitutes. The home team are going to perhaps gamble on that working for them now. Oh là, ça joue avec le feu derrière quand même. Ils prennent des risques, hein, ce qu'on dit. And he gets it returned to him. Allez, on presse. Zlatan Ibrahimovic. On presse, Zlatan. Oh, le corner, les les changements sur corner. Strootman à la baguette. Strootman. Oh, c'est bien dessiné. Oh, c'était bien dessiné. Le gardien est bien sorti. Une belle petite sortie. C'est beau. Ça fait rêver. C'est ça qu'on veut. C'est ça, moi je veux rêver, putain. Par contre, là, les dribbles, j'ai absolument du. Limite, je suis atrophié au niveau du dribble. Oh, ça passe pas ça. Ça passe. Si ça passe, très bien. Non, ça passe pas. Allez, le contre. Avec qui? Avec Obama. Oh putain, raté. Avec Obama. Obama qui galope. Obama masqué. Oh, non! Ouf, Ronaldo, il est mis dans le ventre. Il l'a mis dans le ventre. Abdou en béton. Là, j'ai voulu trop faire marquer Ronaldo là. C'est.
J'ai pas souvent l'occasion de jouer avec Ronaldo sur fut, hein, excusez-moi du peu. Allez. Oui, goal, 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 goal. Ronaldo, un jour après son son premier, il y avait 5 buts, quadruplé, 5 tuplés. Comment on dit un 5 tuplé? Oh là là, regardez ça, il perfore, il percute et il place un tir millimétré. Ah, c'est un semi-pro, je pense, en même temps, hein. Pro ou semi-pro, on va pas s'emballer. 2-0, on est bien, Tintin, on est bien. Ça va me faire tout bizarre quand je vais récupérer mes vieux joueurs pourris en début de fut. Ça va prendre une claque dans la gueule énorme. Oh putain, mais sifflez-le avant! Je me suis mis le doute tout seul au début, mais non! Ronaldo! Oh là, dommage, je me suis encore emballé. Ronaldo! Oh! Dommage! Oh bim! C'est qui Zlatan? Salto le Zlatan! Oh, c'était beau ça, Ronaldo là, c'était beau. Beau travail de Ronaldo, frappe de bas moyen de contrée. Les dribbles de Ronaldo, ils sont d'une violence. Ça reste collé au pied, mais. Bien, voilà, on aura fait marquer un parisien, Zlatan. Petite dédicace aux abonnés qui me suivent, hein, qui sont supporters de Paris. Comme quoi, vous avez vu, je suis pas rancunier. Ça reste du football, faut pas non plus, voilà. Allez, Ronaldo. Monsieur l'arbitre, merde! Le double contact, c'est externe, comme ça je suis assez friand. Mathudi. Zlatan! Ouf. Oh, la saccharine de Zlatan. Thiago Alcantara! Expressif. Bats-toi, gamin. Oh putain. L'autre, ça va lui. Ah, je suis lié, il prend la confiance quoi. Plus une, manque de respect total quoi. Ah, Thiago, un peu fragile à l'épaule. J'aurais voulu mettre une grosse braise avec Ronaldo, ça peut pas être possible, je pense, vu le temps. Oh non, c'est de la merde. Oh, enculé. Non! J'aurais pu frapper direct! Vieux réflexe, hein, les vieux réflexes sont la vie dure. Pas prendre de but. Voilà, Manuel. Oh oui, il est là. Allez, Zlatan. Oh, il est trop lent, Zlatan. Trop lent, il est crevé. Allez, c'est terminé. Oh là, Zlatan, il avait plus rien dans les chaussettes. Nothing less. Nothing left in the chaussée tous. Allez. 3-0, on est bien. Regardez-moi ça, c'est beau petit ralenti, c'est beau cette pelouse qui. Cette pelouse. Et qui se dégrade vraiment au fil du match. Voilà, on a vu un petit peu des dribbles, on a vu des buts surtout, c'est important. Et on en a pas pris, on a vu du carton rouge, on a vu. Voilà, c'était beau. On a vu une panne karaté. La première panne karaté, et crois-moi. Petit abonné des internets, il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup d'autres parce que la Panenka c'est mon dada. Et même si ça marche jamais, oh là là, ce dribble de Ronaldo, même si ça marche jamais, ben voilà, moi j'aime bien les faire. Voilà. Ils sont beaux ces ralentis, je trouve. Hein. On pourrait presque mettre la musique de téléfoot derrière. Tidim, 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 tidim. Allez, ce centre de Lucas. Ah non, c'est le flip and flop là, le flip flap. Oh là, cette frappe. Oh là
Magnifique, magnifique l'arrêt, tout est beau, tout est beau. Frappe de Ronaldo encore, oh, c'est la côté. Allez, c'est terminé, hein. Je vous dis à bientôt tout le monde dans un prochain épisode, je sais pas lequel, je sais pas sur FIFA. Alors oui, FIFA 15 PS3, je pense qu'on va oublier, là je suis vraiment tombé en admiration devant la PS4. C'est compliqué pour moi de faire machine arrière sur PS3, je ne peux pas. Vraiment, j'ai rejoué, les graphismes me dégoûtent, donc je suis vraiment désolé. Mais je vous dis à bientôt tout le monde dans un prochain épisode, hein, sur FIFA 16. On va faire plein de vidéos, j'espère, et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre, à moi et Bob. Bob, que je salue au passage. Salut mon petit cul, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt tout le monde dans un prochain épisode. Ciao !